machin parce que sinon. C'est mignon. Ça... Ouais, c'est assez mignon. Alors ça pareil, hein, tout ça va être confié à une spécialiste qui va pouvoir les. C'était une chambre d'enfant et de la dinette. Voilà, oui. Donc la parcelle, elle a livré une partie donc, de cette petite agglomération, de cette agglomération de Rosay, avec trois bâtiments très différents et environnés de rues et de places. Donc on a un bâtiment assez conséquent avec des murs larges liés au mortier, qui est probablement un bâtiment public ou un bâtiment de type entrepôt. Dans l'angle qui a disparu aujourd'hui, on a un bâtiment un peu plus modeste, dont il ne reste plus les sols, donc on ne peut pas dire exactement ce qui, à quoi il servait. Et le troisième bâtiment qu'on a, qui forme l'angle d'un carrefour, lui est probablement lié à une activité particulière, à une activité artisanale peut-être. Sinon, les autres éléments de la fouille, notamment la céramique et le petit mobilier qu'on a trouvé, pourront a posteriori peut-être nous renseigner également sur les activités pratiquées dans ces bâtiments ou au moins à proximité de ces bâtiments.